Vietnamiens du Nord refusent toujours de libérer nos prisonniers de guerre. Même si une date est fixée pour évacuer les troupes américaines. Le président Nixon a déclaré aujourd'hui que c'était évidemment très cruel de leur part de rejeter l'idée même d'une discussion relative à leur libération. Cette attitude pose un problème majeur qui empêche toute négociation. Tu as un problème, Cooper ? C'était parfait, la mission prévue, et maintenant c'est foutu. Qui a changé les ordres ? Le Pentagone. Ce n'est pas une opération ordinaire, Jim. Washington veut faire un exemple de ce camp. Parce que c'est un des lieux où les communistes retiennent des prisonniers, et ils refusent de l'admettre. Le président veut que le message soit reçu 5 sur 5. Il veut le retour de tous les soldats américains. Alors, au lieu de se faufiler comme des couleuvres avec une section de Rangers, on n'a qu'à foutre en l'air tout le bordel avec des hélicos armés de grosses pièces. Plus c'est gros, meilleur c'est. Mais les chefs réclament l'agrément d'Hanoï et de Paris. Ils veulent savoir aussi ce qui va se passer pour les prisonniers dans ce trou à rats, quand on va débouler là-dedans comme un troupeau de bisons avec le feu au cul. Le cessez-le-feu prend effet dans 5 jours. Si les prisonniers américains ne sont pas libérés avant, ils sont considérés portés disparus, si ça t'intéresse. Ils vont disparaître, à jamais. Est-ce qu'ils ont modifié le plan d'évacuation ? Non, aucun changement de prévu là-dessus. Il y aura le matériel disponible dans 4 jours sur la côte de Bontai. Ils attendront 1 heure à partir de 15 heures. Qu'est-ce que tu en penses, Jim ? Tu es toujours d'accord ? Oui, évidemment. Merci, Jim. Hey, c'est qui ce Cooper qu'on nous envoie ? Angus qui a des couilles. Je croyais pas qu'il y en avait à Washington. Il s'est porté volontaire, ce qui veut dire que t'auras une chance de t'en sortir. Heureusement, j'ai mon assurance. Ils ont choisi ce mec-là, pourquoi, d'après toi ? Écoute, je vais t'expliquer. Non seulement c'est le meilleur, mais aussi, figure-toi, il a un principe en béton. Lequel ? Avec lui, tout le monde rentre à la maison. Digne. 19 ans. Demande-lui aussi de m'aider, ok? Oui, d'accord. Attention, on va descendre.
Déglinguez-moi ces miradors. Faites gaffe à la cahute qui est au centre. Encore un coup et on descend. Tirons-nous vite d'ici. Thank you.
fatigue. J'en sais rien. Je retourne là-bas pour le ramener. Allez, tirez-vous. On s'en sortira jamais. Accroche-toi, je te dis. Laissez-moi tomber, colonel. Ta gueule, fais-moi confiance. Laissez-moi... Ta gueule. Tig. Toute votre attention, Monsieur Sparks. Je
Colonel Cooper. Eh oui, grand, grand pays, l'Amérique. Mais qui commet aussi beaucoup d'erreurs. Elle est stupide d'envoyer des soldats aussi bêtes que vous pour nous combattre. Colonel Cooper. Mettez-le au frais! Message urgent du quartier général d'Hanoï. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas demandé? Je ne sais pas. C'est vous qu'ils veulent. J'arrive. Colonel? Comment tu t'appelles? Scott, colonel. Vous savez s'il y a du nouveau à Paris, colonel? Ouais, il pense à nous. Vous croyez à notre libération? Peut-être, si on s'en occupe nous-mêmes. Je vous passe le capitaine Vin. Alors, Vin, on a besoin de Cooper à Hanoï, tout de suite. Bien sûr, général, je suis tout à fait d'accord. Seulement, ça va prendre du temps. Hanoï, c'est loin. On ne peut pas attendre, c'est urgent. Cooper est le plus haut gradé américain parmi vos prisonniers. Sa présence est nécessaire ici. Je vous envoie une escorte qui sera chez vous dans 2 jours et qui le ramènera à Hanoï. En attendant, veillez à ce qu'il ne lui arrive rien d'irréparable. Konkun Krap. Vous êtes quelqu'un d'important, Cooper. Le prisonnier américain le plus haut gradé. Hanoï veut vous voir très vite. Dans 2 jours, on viendra vous chercher pour vous emmener là-bas. Vous y serez jugé pour crime de guerre contre le peuple vietnamien. Ensuite, vous serez exécuté. Mais il y a peut-être un moyen de partir d'ici, pour autant aller à Hanoï. Un moyen qui exigerait simplement un peu de confiance entre nous et de coopération. Est-ce que cela vous intéresserait, Cooper, dites-moi? Cooper, James T. Colonel, RA514-66592. Oui, bien sûr. Vous devez choisir. Vous avez 2 jours pour vous décider. Tu le connais? Assez pour pas l'aimer. Je me tire d'ici ce soir. Moi aussi. Scotty! T'inquiète pas, mec. Ce soir, on se barre. Foutez-moi Cooper dans la cage à poules! Colonel Cooper, je suis Johnston, officier des services spéciaux. Bonjour, mon vieux. Bienvenue dans nos appartements privés. Combien vous êtes? 5 commandos. Les autres sont des GIs réguliers, tous des gens courageux.
mais pas la force d'attaque des Marines. Qui est-ce qui dirige le plan d'évasion ici? Il n'y a pas de plan d'évasion. Maintenant, si. Eh oh! Pourquoi s'emballer? Vous venez juste d'arriver, colonel. Faites pas attention à lui. Il bande à l'idée de se barrer ce soir. C'est tout le monde qui s'en va. Ou personne. T'as eu ta chance, Cooper. Ta frime de héros, on s'en tamponne ici. C'est un ordre, soldat. J'en ai rien à foutre, mon pote, de tes ordres. Attends, attends, attends. Laisse faire, Cooper. J'ai passé l'âge de rigoler. Allez, amène-toi. Ben voyons. Oh, t'es con. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse-le partir. On est des soldats, pas des lapins. McCoy. Tu viens ou pas? Je tente ma chance. Je suis là depuis trop longtemps. McCoy. Fais gaffe pour deux. Parce que lui, il est barjo. Ok, mec? Sparks, si tu réussis, rejoins Bong Tai. Là-bas, dans 4 jours, il y a des hélicos. Vous aimez la musique, Cooper? Les Français l'aiment beaucoup. Depuis 20 ans, on se bat. D'abord les Français, ensuite les Américains. Et demain, pourquoi pas les Chinois, Cooper?
mais je suis allergique à la musique chinoise. Bientôt, nos gouvernements vont signer un traité de paix à Paris. Oubliez la guerre. Et pouf, les prisonniers de guerre vont disparaître. Assez de baratin. J'ai eu une journée difficile. Hanoï veut vous voir, Cooper. Si vous allez à Hanoï, c'est foutu pour vous. Vous voyez, Cooper, j'ai des parents installés à Miami Beach. Ça vous laisse indifférent? On pourrait peut-être être voisins? Aucune chance, capitaine. J'habite pas de ce côté-là. Eh bien, je passerai vous dire bonjour. Mais peut-être que vous m'aiderez. Peut-être que vous ne serez pas rayé de la liste. Vous et moi serions libres. Libres pour aller en Amérique. Mais vous restez mon prisonnier jusqu'à ce que les lignes américaines soient franchies. Je parle pas sans les autres prisonniers. Les autres, ce n'est pas votre affaire. Votre problème, c'est de sauver votre propre vie. Je ne suis pas d'accord. Vous libérez tout le monde. Il reste ici. Alors, il vaudrait mieux me supprimer tout de suite. Parce que vous pouvez être sûr que moi, je vous tuerai plus tard. Vous n'êtes pas en position de marchander. Vous devriez réfléchir. C'est déjà fait. J'ai été clair. Le camion de ravitaillement n'arrive que ce soir. En position. Terminé. Dehors. Vous voyez comme c'est simple. Vous vous rendez compte maintenant que vous n'avez pas le choix. Vous serez mon prisonnier jusqu'aux lignes américaines. Et ensuite, je serai le vôtre. Et vous m'amènerez à Saïgon. On sera libres tous les deux. Et peut-être on se reverra en Amérique. À condition que tous les autres soient libérés. Mais bon sang, vous êtes une vraie tête de mule. Je peux les tuer tous maintenant et vous avec. J'ai l'impression que vous ne la verrez jamais, l'Amérique. 75 kilomètres. Et combien de lignes ennemies à traverser? À deux, vous et moi, on peut y arriver. Mais avec les autres, c'est un suicide. Reconsidérez la question. Bien sûr. Mais vous aussi. Si je retrouve Sparks, je le fais fusiller. Refoutez-le au trou. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider, capitaine Vine. Les officiers d'Hanoï seront ici demain et vous l'aurez dans le baigneur. Thank you.
raison. Je suis vraiment le roi des cons. Alors, tous ou personne? T'occupes pas de moi, nom de Dieu de merde, Cooper! Tu m'entends? Ok, Cooper, vous gagnez. Tout le monde s'en va. Où on en est maintenant? Hey, Scott. T'as qu'à demander au chef, puis c'est tout. Je sais pas précisément où on est. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vient de se taper 42 km sans déborder. 42? Ma méthode de calcul est infaillible. Hé, hey, qu'est-ce qu'ils foutent? Fermez-la! J'en sais rien. Bah pose la question au colonel ou à son frère si ça t'intéresse. La frontière n'est plus loin, Cooper. Nous sommes bien d'accord. Si on ne marche pas ensemble, alors pouf, aux hommes à la casserole. Vous voyez, Cooper, il y en a pas mal là-dedans. Je suis pas né d'hier. Regardez ça. Nous ramène chez nous. C'est tout ce qui compte. T'as pas compris que la prochaine escale, c'est l'Hilton d'Hanoï. Il te sauve la vie, connard, et c'est plus que ce que tu mérites. Tu fais partie de cette équipe, que ça te plaise ou non. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. Problème, lieutenant. Qui est-ce? Un colonel américain. Et vous allez où? Hanoï. Je vous arrête. Descendez. Je veux inspecter les véhicules. C'est dans l'autre sens, Hanoï. Allez, force! Merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pièces qui nous tirent dessus, connard, t'entends pas? Qui
Arrêtez immédiatement tout convoi vers la frontière. Commence bien ta combine. Mettez-vous à l'abri, sous le pont. Allez, allez, dépêchez-vous. Sparks, amène la Jeep. Va te faire foutre. Vas-y ou je te descends. Allez, remets-vous le cul. Camion est dynamité. Allez vite, les gars, vite, vite. À toi. Sous le pont. Attention, vas-y. T'en fais pas, ça va aller, t'inquiète pas. Accroche-toi bien à moi, fiston. Ok, ça va. Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous. Allez, doucement. Allez. On est dans le coup ensemble. Emmène-nous sous le pont. Va te faire foutre, Cooper. Cooper! Cooper! N'oubliez pas notre accord! Dans une minute, faut-il pour mourir? Alors on joue selon des règles à lui, hein? T'es vraiment con, Sparks. Si tu veux tirer, tire tout de suite. Plus que 30 secondes! T'es vraiment un pauvre mec, tu sais, Sparks. Tu ferais n'importe quoi pour sauver ta peau, dégueulasse. Plus que 15 secondes! Fais pas ça. Il est pas mort. On ne tire pas sur un blessé, Sparks.
Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si rien ne s'était passé avant. Tu fais ce que je te dis et ça ira au poil. D'accord? D'accord, en route. Bougez pas! Ça va, ça va. Où est le capitaine Vim? Il fait un somme. De quoi? Johnston. Pensez à moi. Ouvrez, Johnston. Allez, débranche le système électrique. Fais-nous ça au poil, Adams. Moi, je vais mettre là-bas pour faire un carton. Où est Scotty? C'est pas. Quoi? On n'en sait rien! Merde, le pont! Adams, tu sais comment on fait, j'espère. Super. Ça y est? Ouais. Tirons-nous d'ici, viens! Non, mais laissez-moi passer, les mecs, dégagez! Arrivez-vous! Va, 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 va! Bouge ton cul de la connard, maintenant! Allez, on va sortir, viens! Viens! Plus vite! Bats-toi le cul! T'es devenu croyant maintenant, Sparks? Je ramasse tout ce que je trouve. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La route de Saigon va être bourrée de réfugiés, vous savez, mon colonel. On va filer vers la côte. Il y aura des hélicoptères pour nous à Bong Thai. À 3 heures demain, ils seront là et j'espère qu'on y sera aussi.
Bon, bah c'est une rivière, là. Hein, on serait pas con si on piquait deux ou trois bateaux, vous croyez pas? Rien de plus facile, mais moi je traverse avec la Jeep. Et vous, vous faites ça à la nage. Cooper, il en a rien à foutre de l'eau froide. Tu te fous le doigt dans l'œil, Sparks. J'ai horreur de la flotte. Je vais avec vous. Allez, descendez de la Jeep. Johnston, reste avec moi. Appartient à la communauté. Le capitaine Vin a volé tout ça aux prisonniers. Il a dû prendre les lingots d'or à un de nos agents secrets. Je vais rendre tout ça. Peut-être que l'armée saura à qui ça appartient. Pourquoi dans ce sac? Parce que Sparks veut nous couillonner. Et il attendait une occasion pour se barrer avec. Ouais, je vais le flanquer par ici. On reprendra quand on partira sur le fleuve. Ils sont allés par là, mon colonel. Tenez, votre fusil. Garde-le, Adams. Surveille Sparks pendant mon absence, ok? Ouais. Ouais. Je vais retrouver tout le monde en bonne santé quand je vais revenir. Hein? Les bateaux sont là. Comment on va faire ça? Du gâteau. Alors vas-y. Faut pas rater notre coup. Je veux pas te manger. Oh, Eddie.
Non, non, ça tu vois, mon vieux, ça me réchauffe le cœur. Non, tu sais, toute la journée, j'ai eu peur. Tu te rends compte? Regarde la lune, mon pote. Mais je peux pas voir la lune sans mes carreaux, mon vieux. Tu vois, Sparks, je serais le plus heureux des hommes si toi ou moi, on pouvait faire un petit roupillon. Allez, vas-y, dors. Je pars pas avant demain matin. Jetez tous vos armes! J'ai dit, jetez vos armes! Apporte-moi l'or! Quoi? Quel or? Sparks! Ne bouge pas! Les gars, c'est Cooper. Vous attendez plus? Qu'est-ce que vous avez foutu, colonel? Qu'est-ce qui s'est passé? Vin est venu. Vin? Ouais, Spark s'est barré. Merde. Poussez-vous, bordel! C'est pas vrai, poussez-vous! Et j'aurais mieux fait de flinguer. Merde! Messieurs, ça commence à me plaire. C'est pour le canotage que je me suis engagé. Un vrai paradis, cet endroit. Hein? Moi, je vous le dis, la noix de coco, c'est du goût de miam miam. Tu dis là une vérité première. Oui, l'œuf végétal. Nutritif, énergétique, a une étrange carence en vitamine C. Sûrement. T'es con comme une banane, Adams. Ah, la banane, par contre, elle est très riche en vitamine C et en potassium, et elle rend les plus grands services. Ah ouais? Il y a des choses que tu saurais pas, des fois? Oui. J'ai jamais réussi à avoir un rencard avec une fille qui ait des nichons comme Jane Mansfield. Chacun son truc. Quand on sera rentré, je te montrerai comment on fait. Compte sur toi. J'y ai peur, fiston. Laissez-moi passer! Oh, porte de con! Je ne peux plus marcher. Je m'en fous, descends de là! Tout de suite, t'as compris? Salaud!
perdu mes lunettes, vois rien. J'ai perdu mes lunettes. Merde. Où est Chris? On l'a perdu. Tu peux aller jusqu'à la rive? Ouais, vous n'avez rien? En avant! Allez! Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Questionne les types. Qui était le 11e président des États-Unis? C'est trop difficile. Mais c'est une question qu'on pose dans les jeux. Et t'en connais qu'ils savent? Ok, montrez-vous les gars. Hé, hey, toi! Qui est le meilleur guitariste du monde? Jimi Hendrix. Dans quelle division il était? Quoi? La 101e division. Hendrix? Ouais, l'armée de l'air, Johnston. Salut. Hey, salut. 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 Ah, salut mon pote, c'est aussi ton truc, la gratte. Y a pas meilleur que lui, hein? Salut, mec. Des Américains, oh, j'en reviens pas. D'où sortez-vous comme ça? C'est une longue histoire. Ouais, plutôt, c'est pas croyable. On vient de s'échapper d'un camp de prisonniers. Et on essaie d'atteindre Bong Tai demain pour se tirer en hélicoptère. Et d'où vous venez, vous, là? La colline radar, environ 8 à 9 kilomètres. Et où est le reste de l'unité? Ils tiennent le coup, là-haut. En fait, ils sont coincés, on ne peut pas bouger sous le tir des mortiers. Alors, qu'est-ce que tu fous, là? On essaie de retrouver nos lignes pour demander du renfort. La radio est naze et le chef de division doit penser qu'on est mort. Donne-moi de la tequila. Donne la bouteille.
j'aime les beaux mecs. Hey, ça te plaît pas ce que je te fais à toi? Touche pas, tu me dégoûtes. Tu t'appelles comment? Hey! Comment tu t'appelles? Laisse-moi tranquille. Sparks ? Allez, vas-y, tue-moi du moindre service. Où est mon ordre ? Je l'ai plus. Te fous pas de moi, Sparks ! Tu le veux ? C'est Cooper qui l'a. Ce n'est pas vrai. Il sera le seul colonel avec un sac d'or à Bongtai. Bongtai. Les Viettes nous pilonnent comme des salauds là-bas. Tout le monde s'est enterré. Dis-moi, combien vous étiez sur cette colline? Je vous l'ai dit, une dizaine en comptant les gars de communication radio. Et tu crois qu'ils sont tous morts? J'en sais rien, qui peut sortir vivant de cet enfer, mon colonel? Johnston, allons-y, on monte là-haut. Où ça, là-haut? On va sortir de la merde, les gars de la colline. Et on va louper les hélicoptères de Bongtai. C'est du suicide, on n'y arrivera jamais. Mais ça va pas, vous êtes débile ou quoi? Si vous étiez là-haut, vous seriez content qu'on vienne. Avec quoi? Cooper! Tout le monde rentre à la maison, c'est une jolie phrase. Ce n'est pas une religion! Tu parles pour toi, Johnston. Cooper, nous on marche pas avec vous. Cooper, vous pouvez pas faire ça tout seul. Cooper. 24 heures après la signature des accords de paix, le cessez-le-feu entrera en vigueur partout dans le sud Vietnam. Les États-Unis d'Amérique stopperont toute activité militaire ainsi que les bombardements sur le Vietnam du Nord. Dans 60 jours, les troupes, les officiers et tout le personnel militaire américain se retireront des territoires occupés. Murphy, on t'a piqué ta bécane. Ça m'étonne pas.
reste 3 heures pour aller à Bong Thai. On va louper les hélicos. Regarde, la route est là, devant toi. Si on trouve pas de camion, on l'a dans le cul, d'accord? On ne peut pas aller à Bong Thai à pied en 3 heures. Et le colonel non plus. T'es cinglé. Ni lui, ni toi, Johnston. Tu vas nous faire louper les hélicoptères. La colline radar. C'est sur notre chemin. Tu crois pas qu'on aurait autre chose à faire? On y va. C'est un Américain, ce mec. Et alors? Il va pas aller loin. Voilà, soyez prêts. Ici Dover, je vous écoute. On a besoin de renfort, on peut plus tenir. 317, ici Dover, vous entendez? Qui êtes-vous, nom de Dieu? Le colonel Jim Cooper, 101e division de l'armée de l'air. Vous avez ce qu'il faut? Juste ça. Eh, c'est toujours mieux que rien. Rassemblez tous vos hommes. Je vais vous sortir de ce merdier. J'ai des ordres précis. On n'a plus de canon. Transmettez aux autres, colonel. On se barre immédiatement. T'as entendu, Tony? Rassemble tous les gars, on va aller faire un tour ailleurs. La route la plus sûre? Là-haut, après les réservoirs d'essence. Ouais, au poil. Thank you.
sont derrière nous, baisse-toi. Ok. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? On est encerclés. Merde. On a plus de munitions, passez-nous des cartouches. Embarquez vos gars! Agnez-vous le cul! Dépêchez-vous! Dis donc, t'en as mis du temps, mon pote. Il en faut pour réussir son coup. Ah, je savais bien que tu reviendrais. Laisse-moi, mon vieux. Tu vas froisser mon uniforme. Amène-toi. Vous avez besoin de quelque chose, colonel? À toi, on ne peut rien cacher. Hé, hey, colonel! Il faudrait pas oublier votre sac à dos, hein. On laisse toujours quelque chose derrière soi. Allez, les gars, une chanson américaine, ok? Working for the man every night and day. But I never lost a minute sleep. Worry about the way things might have been. Think we still keep on turning. Primary keep on burning. Rolling on the river, rolling on the river, rolling on the river, rolling on the river, rolling on the river.
Ok, Johnston, tu viens avec moi. Arme Cooper, regarde mes mains. Où est l'or, Cooper? L'or? Lâche ton fusil. Recule. Donne-moi les grenades, Bill. Reste où tu es. Non. Tu donnes l'or ou vous resterez tous ici. Vin, donne-moi ces grenades et je te donnerai l'or. Je te l'avais dit, Cooper, tu n'es pas en position de marceler. Ça, c'est trop con. Sparks, t'es vraiment un con, mon vieux. Tout le monde rentre à la maison, colonel? Ouais. Tout le monde rentre à la maison. Johnston. Oui, d'accord. Adams. Allons-y. On y va, les mecs, on fout le corps! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux hélicoptères. On attaque ou pas? Je ne croyais pas qu'on y arriverait. Moi non plus, Johnston.